Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lela. On va cette, ce soir parler politique, d'abord en première partie, on aura l'autre partie après. On va d'abord parler des législatives, c'est dans la première circonscription de Saint-Denis, c'est dans cosmont réunionnais Bonsoir Yvette Duchman. Bonsoir Gismi. merci. Il n'y a pas de surprise, vous êtes candidate. Nous avons pris le temps de réfléchir avec mon groupe avec mon association politique solidarité écologiste populaire pour notre terre et puis bon on s'est décidé parce que euh, cette première circonscription mérite d'avoir une députée disponible à 100 et qui sera face aux électeurs les électrices et qui provoquera des débats et qui expliquera aussi à la population ce qui a été décidé et qui recevra aussi les idées de la population très a, important on va faire d'abord un point sur un contexte c'est-à-dire que il y a eu un accord national avec euh, euh, les, la France insoumise oui. le PS le PCR le PCF pardon et, les, et des écologistes oui exactement euh, à La Réunion, cette, ce mouvement ne s'est pas fait. A, les écologistes n'ont pas déjà entre eux, n'ont pas discuté vraiment. Et euh, on voit qu'actuellement à gauche, il y a quand même un, un, une cacophonie. Il semblerait, moi je ne veux pas entrer dans leur cacophonie. Nous, nous sommes écologistes depuis qu'on est né. Nous aimons La Réunion. Et euh, euh, nous avons un parti qui s'appelle Solidarité écologiste populaire pour notre terre, qui est local et qui, bien entendu, s'intéresse aux défis que la planète doit relever en ce moment. Bien sûr, nous ne pensons pas qu'à nous, nous pensons à la planète en entier et nous agissons pour la réunion. Donc, qu'ils aient cacophonie, ils vont régler ça entre eux. Moi, je suis direct, j'y vais et euh, je dis que à ce jour il nous faut à la réunion de l'excellence de l'excellence partout dans l'éducation mieux se connaître pour mieux se construire dans l'environnement protection de la biodiversité parce que sans nature nous n'existons pas et puis il faut penser aux autres pays du monde j'entendais ce matin qu'en Afrique il y a de, des dangers de mal de, de, de faim, tout simplement. Hein. En France, euh, euh, Banque Cabri, la plus herbe pour manger. Donc, euh, vous voyez, nous sommes là à un, comment dire ça, à un passage où il nous faut euh, bien voter, bien réfléchir, non seulement pour nous aujourd'hui, mais il faut être visionnaire en politique, pour demain, pour nos enfants. Il y a une question que j'ai posée. Et c'est m'excuser si jamais il y a, y a un côté... Euh, Allez-y J'allais dire <laughs> un côté un peu euh, malsain peut-être. Allez-y Vous ne croyez pas au, au, au discours de, du président Macron qui a été réélu sur l'écologie qu'il euh, préconise, qui ou le projet qu'il veut faire pour la France Vous n'y croyez pas Je n'y crois pas. La preuve, c'est que pendant cinq ans... Euh, le président Macron nous a menti euh, su, euh, en, en écologie sociale, en écologie environnementale. Bon, euh, il nous a euh, bernés. Et ça, euh, je pense que la population lui en veut. Et moi, j'ai toujours euh, rédigé mes articles en disant que j'étais contre le gouvernement de M. Macron. Donc là, ces nouvelles promesses, je n'y crois pas non plus. On attend de voir, mais euh, il aurait tort parce que de mentir encore une fois euh, à toute la population, il aurait vraiment tort et ça pourrait lui coûter cher. Aujourd'hui, il y a une réalité, on le voit dans ce que la, le rapport de – Du GIEC Jack à... Jack est sorti, on voit qu'on essaye de, mettre, de, de tirer la sonnette d'alarme, de dire qu'il y a urgence, que dans 3, 4 ans, il faut absolument qu'on euh, ait réglé certains problèmes. Mais pour être honnête, je ne suis pas sûr que, la planète, que les dirigeants de la planète sont dans cette posture-là. Comment, à la réunion, Yvette Duchemin veut faire pour inciter les citoyens à avoir une posture déjà citoyenne pour faire respecter notre environnement à nous euh, Certes, ce que vous dites est vrai. Vu la situation actuelle dans le monde, les grands pays sont surtout occupés, hélas, à faire la guerre ou à manigancer ou à vendre des arbres, des armes. La France en fait partie. Et euh, oui, l'ultimatum qu'a donné le GIEC, je ne pense pas qu'il le retienne. Pourquoi Parce que c'est toujours le capitalisme et l'argent, les finances qui, malheureusement, prennent le dessus. Et là, on le voit actuellement, il y a une, une concurrence un petit peu morbide, à savoir qui est l'homme le plus riche de la, de la Terre. Actuellement, c'est Elon Musk parce que lui, il a 270 milliards d'argent. Et c'est cette course effrénée. On le voit que la guerre, le Covid a enrichi, enrichi les plus les riches. riches. La guerre en Ukraine est en train d'enrichir de, encore ces mêmes personnes. Oui. Les États-Unis notamment. On a l'impression que plus on donne des, 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 une, un parcours à suivre, les gens font l'inverse. Enfin, les plus riches les plus font riches. À, leur, euh, à leur manière. Voilà, en fait. les plus riches font à leur manière ben parce que des gens comme Musk, ben il, il, avec d'ailleurs je me demande comment il fait pour dormir le soir avec tout cet argent, euh, il dev, il ferait mieux de distribuer aux pays pauvres, euh, là il ferait un bon geste plutôt que, bon, il a acheté Twitter, mais bon. 41 euh, milliards. Voilà, il aurait mieux fait de donner ces 41 milliards euh, aux pays pauvres qui sont en train de souffrir, comme je disais tout à l'heure, de faim. Et à côté de nous, il y a des pays pauvres aussi, notamment uh, Madagascar, que nous devons aider. Eh bien, euh, cette situation, en 2022, euh, elle est in insupportable parce que, on, encore une fois, vous le dites vous-même, on se rend compte que c'est euh, l'argent, euh, en 2022, qui prime sur l'humanisme, sur euh, l'amour, sur. Euh, la vie des autres et ça c'est très grave. Euh, à l'heure actuelle, avec euh, comment dire, avec euh, les réseaux sociaux, avec euh, le numérique, avec euh, euh, les médias, on ne devrait plus être à ce stade. On ne devrait plus être, j'ose dire le mot, inhumain. Or, malheureusement, nous nous rendons compte que le monde est de plus en plus fou. Et à La Réunion, cependant, nous sommes capables encore, nous sommes capables, et c'est tant mieux, parce que nous sommes un peuple qui avons connu la souffrance. Donc nous sommes capables de solidarité, et j'espère que les électrices et les électeurs seront capables d'être censés pour nommer, euh, je dis une députée, une députée qui euh, saura défendre non seulement leurs intérêts, mais aussi... La biodiversité réunionnaise, défendre aussi le climat. Nous avons vu aujourd'hui, euh, ben, Bonnement, il char charge en hiver à tout à l'heure. Euh, le temps, il y a des inondations, on comprend pas trop. Ça me fait Vous sourire. Voyez Il y a une grande surface en, dans, dans le nord-est où le flamboyant, euh, à cette époque de l'année, est en fleur. Voilà. Ça, ça fait sourire. C ça fait sourire, mais ça fait peur. Ça veut dire que tout est déréglé. Donc, les plantations. Euh, un mot aussi sur les plantations. Il faut que nous allions. Vous, vous parliez de solutions pour la Réunion. Il faut que nous allions vers une autonomie alimentaire. Et à la Réunion, nous sommes capables de le faire. Écrivez Duchemin. Je crois que ça, c'est un sujet qui est un. D'abord, c'est un marronnier. Ça revient à chaque élection. Mais aucun politique. En tout cas, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, mais mais non, mais ils n'ont pas posture. fait. ne ben oui. pas se leurrer. Ça fait des années qu'on en parle. Ben Peut-être a... qu'on a les mauvais politiciens, puisque je peux vous assurer, pour bien connaître le monde agricole, que nous sommes capables aussi, ici, euh, d'avoir une suffisance alimentaire. Nos agriculteurs sont tous plus ou moins maintenant vers le bio, et c'est tant mieux. Simplement, c'est un, un, un métier le métier de planteur c'est un métier difficile hein. et on trouve de moins en moins de main d'œuvre, et donc là aussi il faut que notre jeunesse il a envie d'aller travailler et il faut le former surtout euh, la formation existe. Bon, après il y a des difficultés aussi. Les lois ne sont pas tellement faites pour nous et ça je compte bien les changer. La difficulté pour un jeune de reprendre la succession de son père et tout. Euh, J'ai mis quelques reportages sur ma page Facebook quand je vais voir les agriculteurs. Et eh ben on se rend compte que ce sont des gens très courageux et puis d'une d'une humilité et, et d'une grandeur euh, donc euh, qui vous fait chaud au cœur. Mais cependant c'est planteur qui se verse dans le bio ou, ou qui, à La Réunion, devrait être un, un phénomène agroécologique avec la restitution, avec le, la restauration de son écosystème et, et de son... et aussi avec du pastoralisme, c'est-à-dire élever des bêtes en même temps que planter. La Réunion dev, devrait être le phare de l'océan Indien. Malheureusement, elle ne l'est pas. Poser les questions à nos gouvernances. Idem pour... Je termine, la transition énergétique pour euh, que nous ayons suffisamment d'énergie localement. Malheureusement, ça ne se fait pas encore. Et je termine, il y a le, le plan d'économie séculaire, parce que vous me demandez des pistes pour la Réunion. Une des énormes pistes économiques, c'est bien sûr d'aider les entreprises, bien sûr, de les accompagner. C'est aussi les associations d'économie sociale et solidaire. C'est aussi... Les ICC, c'est aussi, avec des exemples, par exemple, c'est aussi l'économie circulaire. Et là, malheureusement, on est, on en est encore loin. Et pourtant, c'est une urgence à la Réunion. Tout le monde crie contre les déchets. Tous ces déchets, c'est moi qui ai inventé de l'eau, sont de, le mot, sont de l'or, objet recyclable. Tous ces déchets peuvent se transformer. Et la preuve, je suis allé hier à le, au stand, mon, à mon stand préféré, je peux le citer? Au salon de la maison, à l'Adrieux, eh ben, tout ce qui était fait, ils ont ouvert une gamme, ils ont créé une gamme qui s'appelle EXA, eh ben, EXA, c'est-à-dire avec bande déchet, eh ben, ils ont créé des meubles qui sont, je vous le conseille, très beaux et pas chers. C'est pas, c'est ça l'économie de la Réunion. On n'a pas besoin d'aller, euh, d'importer tout. Oui, mais le problème, c'est que qu'aujourd'hui, on sait que ce sont les chefs d'entreprise, les, les gens qui ont de l'argent, qui, qui ont des entreprises, qui ont des magasins, qui vendent des meubles, qui vendent autre chose, qui tiennent la, qui tiennent les, la, les, la destinée de la Réunion. C'est eux qui décident dans quoi on, vers quoi on va ou on ne va pas. C'est pareil partout. Euh, on sait très bien qu'aujourd'hui, que les politiques sont les pantins des plus riches. C'est vous qui le dites. Euh, qui sont les pantins des plus riches. Vous avez certainement, mis euh, une meilleure connaissance que moi là-dedans. C'est beaucoup plus simple en fait. On sait que jusqu'aux années 80, la politique dessinait le cadre pour l'économie. Mais depuis oui. les années 90, c'est les, les économies qui disent à la politique ce qu'il a besoin. On me on, ce ne sont pas les entreprises qui me diront ce que la Réunion a besoin. J'aime trop mon pays pour que ce soit les lobbies financiers qui me commandent. Donc, nous prendrons en connaissance de cause ce que la population dira aussi, et nous réunirons les acteurs économiques, comme je disais tout à l'heure là, qui sont autres, euh, mais qui pourront être réunis aussi. Hein. Les entreprises seront réunies, mais les acteurs économiques locaux, qui essayent de se débrouiller au quotidien, qui évitent à notre pays le chaos social, parce que quand on est dans l'éducation, une association de l'éducation populaire par exemple ou quand on est dans une association qui fait de l'économie ou une petite entreprise sociale et solidaire on évite le chaos à la réunion on crée énormément d'emplois on forme les gens et euh, c est, c est, et ce sont des chefs d'entreprise là qui méritent vraiment d'être reconnus et qu'on fasse un véritable plan de relance pour ces entreprises. Yves Duchemin, si on prend l'hypothèse que demain vous êtes élu député de la première circonscription, comment, toute seule, vous, dans un hémicycle où il y a des, des, des réseaux de pouvoir, comment allez-vous mettre en place, ne serait-ce une proposition de loi, donc le, le poser sur le bureau de l'Assemblée nationale, qu'elle soit, qu soit discutée et voter. Je vous arrête, Jusmi. Qui vous dit que je serai toute seule à l'Assemblée nationale Voilà. Tout le monde sait que j'ai soutenu, j'ai fait, fait un appel au soutien à, à l'Union populaire. J'ai tra travaillé aussi pour, pour, pour euh, que l'Union populaire marque des points. Je ne dis pas que. Je serai acceptée dans ce groupe ou dans un autre. Je suis écologiste aussi, mais je peux vous assurer, je sais, dans l'opposition, si on est tout seul, on ne peut rien faire. On fait waf, waf hein tout le monde, euh, on est obligé de vous, vous écouter, mais ça passe par là et ça ressort par là. Il faut avoir une opposition qui est très forte. Et donc, il faut se lier à un groupe important et qui est fort ça je suis capable de le faire j'ai toujours été consensuelle hein, là où je suis j'ai été élu j'ai travaillé avec tout le monde la seule direction c'est le bien-être de la population et je l'ai tout le temps rappelé voilà dans ce cas si demain euh, vous êtes à, à l'Assemblée nationale, quel pour vous serait le premier projet, la première proposition de loi qu'il faudrait faire pour que la Réunion aille dans le bon sens Il faut travailler absolument sur l'économie réunionnaise. Et pour, pourquoi parce que nous avons un taux de chômage qui est exorbitant. Nous sommes, nous sommes dans une économie de marché où, ça. où 90% de ce qui euh, se vend à la Réunion est importé parce que les marges sont plus faciles à faire pour, pour ceux qui, le, qui tiennent l'économie. On voit bien, on importe des produits de métropole avec des marges parfois extraordinaires. Je pense que vous parlez de marge. – Pour moi, le, 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 le plus gros du travail, un, un des, de toute façon, les travaux seront colossaux. Hein, parce qu'on a face à nous un gouvernement qui ne nous comprend pas et qui, bon, je pense qu'on euh, l'intéresse juste pour les voix. Qu – que Quel que soit le gouvernement, tout le monde travaille pour, des, pour les, les hommes les plus riches de cette planète. – Mais il ne faut pas, il faut arrêter ça. Si on élit les, les, les bons… Président, les bons sénateurs et les bons députés, on va arrêter, et, bon, et les bons députés européens aussi, parce qu'on sait bien aussi que souvent ils sont dictés par les lobbies, regardez la cigarette, ça s'arrêtera, ça c'est aussi, euh, je veux dire euh, euh, l'effet boomerang d'un mauvais d'un vote qui n'a pas été réfléchi. Le vote euh, où l'on vient vous dire, où vous fait des promesses. Il faut arrêter avec tout ça. Où on vous fait peur. Ah, si tu votes pas comme ça, dans l'UE, il y a une caméra. Attention. On, donc tout ça, il faut arrêter. Il faut que nous, la Réunion, nous n'ayons plus peur. Bien sûr, écouter les programmes, choisir celui que l'on ou celle que l'on veut choisir. Mais arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Quand on est dans l'urne, personne ne vous voit. Donc, il euh, faut voter. On, faut pas... Oui, excusez-moi. <laughs> <laughs> excusez-moi, dans l'isoloir. Ouais. Oui, on ne peut pas rentrer dans l'urne. <laughs> euh, quand on est dans l'isoloir, personne ne nous voit. Donc, les électeurs, et ça, je l'ai toujours dit aussi, oui. je ne veux pas faire de, 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 de démagogie. Les électrices et les électeurs réunionnais ont aussi un devoir celui de bien lire les programmes, les, le, de regarder ce qui se passe à la télévision s'agissant des actualités politiques, de revoir, de voir, de regarder aussi d'aller sur l'Assemblée nationale, de voir le bilan de leurs députés, et ensuite de voter en leur âme et conscience, mais plus par peur. Il, nous, comme disait ProPaev, ProPaev a écrit un livre, un historien réunionnais lit la peur. Eh ben, il faut que nous sortions de cette peur. Et là, encore une fois, c'est l'éducation qui a un grand rôle. Parce que, il faut, il faut nous connaître à nous, pour bien construire à nous. Il faut nous donner une dignité. Et c'est avec le travail aussi qu'on a une dignité. Avec un logement décent. Hein, je me battrai pour les logements aussi, parce que c'est ce qui s'est produit à la réunion ces derniers temps. Ça ne doit plus jamais se reproduire. J'ai fait un cadre avec, j'ai j'ai travaillé à la CINOR, j'ai fait un cadre pour, avec les bailleurs sociaux, un cadre pour les logements sociaux, un cadre écologique où il y avait des normes à respecter et notamment des normes de propre, de, de, écologique, environnementale, de propreté et tout. Bon, je n'ai pas été réélue, donc ce, cet accord, et, euh, et ne, 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 ne se fait pas puisque entre la SINOR et les bailleurs sociaux, puisqu'il n'y a plus d'élu pour suivre. Et ça, c'est dommage. Nous avons bien vu pendant ces derniers mois, hélas, les tragédies qu'il y a. Tous les jours, on s'exprime sur les logements indécents, donc vous voyez, il y a du travail à faire. Et il nous faut, vous parliez d'économie, développer absolument, légiférer, pour que l'économie endogène, c'est-à-dire le développement ici la même, local, puisse se faire pour créer des emplois, pour que nos jeunes cerveaux puissent s'ils le veulent partir, la mobilité doit être choisie, mais s'ils le veulent rester avec des emplois réunionnais et je peux vous dire qu'on peut développer les emplois ici. On a, la première fois que j'ai je, 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 dit qu'on pouvait créer des milliers d'emplois avec justement une, une, avec cette écologie, cette, avec comme zarboutant l'écologie, les gens n'ont pas compris. Mais je crois que maintenant les gens ont compris. Ces porteurs d'emplois, ne serait-ce que dans l'énergie, le logement. On ne, construit, on ne doit plus construire comme on construit maintenant. Et euh, l'agriculture, l'élevage. Donc, vous voyez, tout ça, il faut légiférer et mettre des garde-fous pour sécuriser. Je parle de la Réunion, mais je pense que nos camarades des Antilles vont aussi travailler avec nous. Parce que on sait bien qu'ils ont aussi des problèmes. Et même plus que des problèmes, des graves maladies euh, à cause d'un laisser-aller politique, justement. Hein, voilà. On a déjà dépassé le temps qui nous est parti, euh, euh, Yvette Duchemin, On va rappeler donc que vous êtes candidate aux, aux élections législatives des 12 et 17 juin prochains, donc euh, 17 juin 2000, euh, non, ah, des 12 et 19 <laughs> juin 2022, donc sur la première circonscription. Et donc euh, le où le sortant c'est Philippe Naillet ça. De, donc, de la mairie de Saint-Denis. Merci. Euh, c'est moi qui échange. vous remercie et merci aux électrices et aux électeurs. Merci pour cet échange. On va marquer une pause. On se retrouve juste après.